à la découverte du département. À Toulon, sur 3 hectares et demi, l'écoquartier Chalucé est ouvert à la créativité et à la connaissance. C'est l'architecte Corinne Vézoni qui a été chargée de l'ambitieuse rénovation de ce quartier, rénovation soutenue par le conseil départemental du Var. Le jardin Alexandre Ier a été complètement réhabilité et agrandi pour devenir un parc de plus d'un hectare et demi, faisant partie intégrante des lieux. Le parti pris architectural a été la mise en valeur de l'histoire de ce site, un ancien hôpital. C'est dans la chapelle et une aile de l'hôpital qu'ont été installées la médiathèque municipale d'une superficie de 5000 m² et une antenne de la médiathèque départementale du Var. Juste à côté, avec une architecture très contemporaine, s'élève la maison de la créativité, qui réunit l'école de commerce Cage Business School et l'école internationale d'architecture Camondo. Les beaux-arts sont situés le long de la façade nord, côté gare. Les circulations montent et s'élèvent les unes au-dessus des autres. Le département a installé plusieurs de ses services dans ce nouveau quartier. Le pôle médico-social Vincent Allègre accueille plus de 600 personnes chaque mois. 230 agents départementaux travaillent ici. La réhabilitation du site Lazare Carnot est en cours, exclusivement administratif. Il rassemblera 170 agents sur 3250 m². Rendez-vous vendredi pour l'agenda du week-end.